Chers amis, je tenais à vous souhaiter un très chaleureux Chag Sameach Kasher depuis Yerushalayim à Kodesh. Ce soir, le plus grand soir de toute l'année, énorme, fantastique, une lumière divine énorme qui descend du ciel. C'est la même nuit où Yitzhak a dit à son fils Esav, va me chercher maintenant du gibier. C'était le Korban Pesach et le Korban Chagiga, les deux sacrifices qu'on mange le soir de Pesach, qu'on mangeait à l'époque du temple. Car cette nuit, les portails des bénédictions descendent du ciel, de la rosée de bénédictions extraordinaire. C'est ce soir, chers amis. Alors on va s'asseoir, on va faire le seder de Pessah. Et il faut comprendre que lorsque nous on fait, alors toute la ville fait, tout le pays fait, et tous les Juifs dans le monde entier font le soir de Pessah. Même les non-religieux en Israël, 90% des Juifs pratiquent le soir du seder. C'est extraordinaire. Et pourquoi ils le font ? Parce que leurs parents l'ont fait, ils ont vu leurs parents le faire. Pourquoi leurs parents ils ont fait ? Parce qu'ils ont vu leurs parents faire. Et comme ça, chers amis, depuis 3334 ans, tous les soirs de Pessah, on est assis à louer Hachem pour les grands miracles qu'il nous a fait de nous avoir fait sortir d'Égypte, d'être devenus son peuple, ses enfants. Alors, je vous souhaite à tous de bien réussir tout le Seder. Il y a 64 mitzvot dans le Seder. Faites attention à la prière de Harvit ce soir, c'est la plus grande prière de toute l'année. Plus grand que la Neïla, extraordinaire. Et on fait le Hallel après, c'est la seule fois on fait le Hallel la nuit, avec bénédiction. Avant, après, les femmes aussi. Quand on fait la bénédiction sur Hallel, c'est bien de penser aussi de rendre quitte le Hallel qu'on dira dans la Haggadah de Pessah. Je vous rappelle encore quelques petites choses importantes. Bien s'accouder sur le côté lors de la consommation de la matzah et des verres de vin. Si possible, 45 degrés, pas en l'air, vraiment accoudé sur une chaise, sur quelque chose, pas sur la table. Pas en arrière, pas en avant, bien comme je monte dans mes cours, bien accoudé sur le côté, 45 degrés à plat au moins. Essayez de finir le seder, y compris le quatrième verre, avant le minuit juif. Sinon on rentre dans un doute si on fait une bénédiction en vin ou pas. Et n'oubliez pas, beaucoup l'oublient, faire kashon hachalamita avant le minuit juif. Dernière chose, restez de bonne humeur, il y a beaucoup de tension, il y a les petits enfants qui courent... Ça s'appelle le Seder. Seder, c'est l'ordre. Et il y a beaucoup de désordre. Les petits enfants qui courent au milieu, etc. Il faut rester calme, arriver à faire le Seder comme il faut bien, dans la joie et dans le bonheur. Et là, on recevra une lumière extraordinaire. Zohar HaKadosh dit que la matzah est appelée le pain de santé. Et c'est pas un médicament, mais il nettoie l'âme, il répare l'âme. Et quand l'âme est réparée et nettoyée, alors évidemment, le corps aussi y suit. Même la médecine classique, elle sait que la majorité, voire toutes les maladies sont psychosomatiques. Donc manger la matzah avec envie, avec bonheur, que Dieu nous a donné cette grande mitzvah, c'est la seule mitzvah qui nous reste aujourd'hui à faire avec la bouche, Bezrat Hashem. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un Chag Pessah Kasher. Ah, j'allais oublier aussi, le Yanouka a demandé qu'à la fin du Seder, chacun demande que la Géoula vienne. On y est, chers amis, elle doit arriver. Est-ce que ça sera aujourd'hui, demain, dans quelques jours, dans quelques semaines? C'est très très proche. En tout cas, le Yanouka a demandé que chacun prie pour la Géoula à la fin du Seder. Donc je vous transmets le message et je vous rappelle que sur notre site, tous les cours sur Pessah, tout le site continue à fonctionner aussi pendant Chol HaMoed et Bezrat Hashem. J'espère qu'on aura de très bonnes nouvelles très bientôt. Je vous souhaite à tous un Pessah Kasher Sameach dans la joie et beaucoup de lumière divine sur vous et votre famille. Amen et Amen.